Dans le nord du Guatemala, dans la région du Petén, sur le site archéologique du Mirador, un homme, Richard Hansen, a consacré sa vie à la restauration de ce site archéologique de 3000 km², qui compte notamment la pyramide en volume la plus importante au monde, la pyramide de la Danta, mais également il consacre sa vie à la protection d'un écosystème très fragile, primaire, d'une forêt qui entoure ce site du bassin du Mirador, forêt primaire qui est aujourd'hui en danger parce que les narcotrafiquants sont présents sur cet espace et parce qu'il y a évidemment des incendies régulièrement qui dégradent non seulement les sites archéologiques, mais en plus, évidemment, cette forêt primaire. Richard Hansen consacre sa vie, a besoin de nous tous, dans cette mobilisation, dans cette conscience de ce bien, le Mirador, qui appartient à l'humanité.